Quand on était à l'honneur, déjà on vous remercie de nous avoir invités, parce que c'était vraiment très gentil. Alors je sais pas si on a fait beaucoup plus mal que la Norvège, mais on a essayé de vous montrer globalement tout ce qu'on faisait. On vous a montré qu'une petite partie de tout ce qu'on faisait, parce qu'il y a une partie qu'on ne pouvait pas montrer, puisque c'était les réponses aux appels à projets pour tout ce qui était en fait plan de relance. Donc on attend un petit peu les résultats. En tous les cas, sur la façon dont ça s'est passé ici sur Ludovia, pour moi, ça a été un moment assez fort qui nous a permis de souder l'équipe. Parce que c'est une équipe qui est un petit peu plurielle. Il y a à la fois des professeurs du premier degré, il y a des professeurs de collège et de lycée. Il y a surtout des personnes qui avant travaillaient dans l'ancienne mission TIS, qui travaillaient au CRDP, qui travaillaient dans l'animation du premier degré et qui avaient du mal à se rencontrer. Donc on a créé au niveau académique un pôle numérique dont l'objectif est justement de fédérer toutes ces compétences. Et Ludovia, ça a été un moment très bon pour que les gens se connaissent de façon beaucoup plus proche et qu'ils naissent de vrais liens entre eux. Donc là-dessus, on tient vraiment à vous remercier pour ce que vous nous avez permis de faire pendant ces 4 jours, qui ont été loin d'être des vacances, par contre, parce que le rythme a été finalement assez intense entre les présentations, la présence avec la 3D stéréoscopique, ce qu'on a animé, ce à quoi on a participé. Je crois qu'on repart avec les valises bien pleines d'idées.